Bienvenue sur Titon, Padawan. Tout le monde a hâte de te rencontrer au temple. Tes anciens maîtres louent tes aptitudes au combat. Ils disent que tu es une experte en duel. C'est plus facile d'exceller lorsque l'on est entraîné par les meilleurs. Le Conseil Jedi va nommer un nouveau maître pour t'encadrer dans tes dernières épreuves. Tu devras passer des tests dont tu n'aurais jamais eu idée. Mais lorsque tu quitteras Titon, tu sauras ce que signifie être un chevalier Jedi. Et surtout, tu te connaîtras toi-même. J'ai hâte d'affronter ces épreuves. Par où je commence ? Un speeder va t'emmener. Une seconde. Je reçois un signal d'urgence. Des déchiqueteurs armés de blasters ? Il doit se tromper. Qu'il se trompe ou non, ce Padawan se fait attaquer. Ils ne sont jamais arrivés aussi près. Les déchiqueteurs sont une espèce de natif hostile. Ils sont assez intelligents pour utiliser des outils et terriblement violents. J'envoie tous les Jedi capables de s'en charger au terrain d'entraînement sur le champ, et toi en particulier. Indiquez-moi la route. Je me charge du reste. Rends-toi au terrain d'entraînement avec le speeder. Repousse les déchiqueteurs et regarde s'ils utilisent vraiment des armes avancées. Va. Dès que j'aurai prévenu le Conseil Jedi, je te rejoindrai. Que la Force soit avec toi. Il n'y a rien. Bien. Un déchiqueteur m'a tiré dans la jambe pendant que je sauvais un Padawan. J'ignore où ces choses ont obtenu des blasters, mais elles savent s'en servir. J'ai été évacué dans un centre médical, mais la bataille n'est pas terminée. Je vais repousser l'ennemi, quoi qu'il en coûte. Il faut les arrêter à la source. Un autre Padawan a trouvé un tunnel que les déchiqueteurs utilisent pour accéder à la vallée. J'ai besoin de toi au tunnel. Veille à ce que les déchiqueteurs ne reçoivent plus de renfort. Je vais trouver ce tunnel et le condamner. Nous devons mettre fin à ce conflit avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Trouve le tunnel le long de la montagne. Que la Force soit avec toi. Arrête de lutter, Padawan. Tu as signé ton arrêt de mort en entrant ici. Parce qu'il faut remettre de l'ordre, et que tu es faible. Qui que vous soyez, laissez ce Padawan tranquille. Tu es... dangereuse. Tu as tué mes soldats. Il n'attaque pas, il purge. Et ce n'est que le début. Baissez votre arme. Je ne vous veux pas de mal. L'ancien ordre est mort. Vive le nouvel ordre. Tout va bien. Que s'est-il passé? La Force soit louée, vous êtes tous les deux en vie. Cet homme n'est pas un Jedi. En tout cas, pas l'un des nôtres. Il a organisé l'attaque sur les terrains d'entraînement. Il appelait les déchiqueteurs ses soldats. J'avais prévenu le Conseil que ces natifs n'étaient pas des bêtes stupides. En voilà la preuve. Ce sabre laser, ça me dit quelque chose. Étrange. Tu as repoussé tous ces assaillants avec un simple sabre d'entraînement. Impressionnant. J'ai suivi mon instinct, c'est tout. Il t'a bien aidé. Ce combat est terminé, mais il ne faut pas que d'autres déchiqueteurs reviennent. C'est qui devrait les retenir, pour l'instant. Je comprends pourquoi vous êtes un maître Jedi. À mon âge, on commence à connaître quelques astuces.
Y'a pas Wakuk Turonti ? Pas encore. Je vais t'emmener dans un centre médical. Tu sembles pouvoir voyager seul. Va faire ton rapport au Conseil Jedi. Cette vallée n'est pas encore sécurisée. Je préfère rester. Nous avons des chevaliers Jedi qui repoussent les derniers assaillants. On a besoin de toi autre part. Suis le chemin menant à l'extérieur de cette vallée. Tu trouveras le temple Jedi près de la montagne. À plus tard. Padawan, je suis Satil Shan, chef du Conseil Jedi. J'aimerais m'entretenir en privé avec toi avant que nous rencontrions les autres. Vous avez toute mon attention, maître. Que voulez-vous ? Ce n'est pas le genre de discussion qu'on peut avoir par canal de communication interposé. Rends-toi dans ma salle de méditation au temple. Nous parlerons là-bas. Bienvenue, Padawan. Dans tout le temple, on ne parle déjà plus que de ton héroïsme sur le terrain d'entraînement. Maître Orgus m'a dit que tu as combattu des déchiqueteurs et un utilisateur de la Force armé d'un sabre laser. Cette confrontation a dû être troublante. Est-ce que tout va bien ? Je regrette d'avoir eu recours à la violence, mais je suis en vie. Une vie qui disparaît affecte la force vivante et la personne qui la prend. C'est pourquoi un Jedi qui se bat est calme et rationnel. Les émotions telles que la peur et la colère mènent au côté obscur. Je contrôle mes sentiments, quelle que soit l'épreuve. Comme nous l'enseigne le code Jedi, il n'y a pas d'émotion, il n'y a que la paix. Souviens-toi de ces mots dans les temps les plus sombres. Et prends ça. Le code est une source de force, mais un petit soutien ne fait jamais de mal. Nous nous reverrons bientôt dans les chambres du Conseil. J'ai consulté les archives du Temple. Cet utilisateur de la Force qui dirige les déchiqueteurs n'a jamais suivi la formation des Jedi. Alors les Sith nous ont trouvés ? Ne devrait-on pas se préparer à les recevoir ? Du calme, Padawan. On n'est encore sûr de rien. Mais nous avons tous senti une obscurité grandissante. Elle s'est peut-être enfin révélée. L'ennemi que j'ai affronté voulait détruire l'Ordre Jedi. Ça ne peut pas être plus obscur. Eh bien, voilà qui éclaircit cette pièce. Votre attention. Je vous présente le Padawan qui a sauvé notre peuple sur le terrain d'entraînement. Voici Maître Kiwix et son Padawan Kira, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Les autres maîtres émettent depuis des mondes éloignés. C'est malheureux que nous ne soyons pas regroupés. En effet, la sécurité du temple est menacée alors que personne ne s'y attendait. Jusqu'à ce jour, les déchiqueteurs formaient un groupe primitif désorganisé. Ils ont des blasters et opèrent comme une armée. On doit découvrir pourquoi. L'homme qui dirigeait les déchiqueteurs n'agissait sans doute pas seul. Une grande partie de Titon n'a pas été explorée et on a peu de ressources à y consacrer. Je vais m'en occuper, avec l'aide de mon nouveau Padawan. Orgus, vous n'avez pas eu de Padawan depuis Coruscant ? Elle est puissante dans la Force. Je n'avais pas vu une telle puissance depuis des décennies. Je ne vois pas de meilleur maître pour achever la formation de ce Padawan. Je passerai mes épreuves finales quand on se sera occupé des déchiqueteurs. Voilà ce que tu devrais aspirer à faire, Kira. Tu trouveras du matériel dans mes appartements, en bas. Va t'équiper. Je te rejoins là-bas. Oh, ces réunions du Conseil. Je mourrai de vieillesse avant que mes collègues n'aient plus rien à dire. Je préfère agir pour régler des problèmes qu'en parler. Certes. Mais parfois, parler est justement la chose à faire. Tu as été rapidement plongé dans le vif du sujet. Tu affrontes des dangers que beaucoup de Jedi n'affrontent jamais. Je ne t'en voudrais pas si tu as des questions. C'est peut-être la seule occasion que tu auras de les poser. Je trouverai un sens à tout ça plus tard. Allons trouver notre ennemi. Je connais des gens qui peuvent nous aider.
Il y a un groupe de pèlerins Twi'lek sur Titan. Ils se battent contre les déchiqueteurs depuis des mois. La République nous a demandé de ne pas aider les Twi'lek. Ils se sont installés ici illégalement. Mais honnêtement, on a besoin d'eux. En quoi enfreignent-ils la loi ? Quand Titan a été redécouverte, les Twi'lek ont demandé au Sénat la permission de s'installer ici. Ça a été refusé, c'était trop dangereux. Mais ils sont quand même venus. Les Twi'lek ont un campement dans les montagnes. C'est ta prochaine destination. Établis un camp de base et parle à la matriarche. Découvre tout ce que les Twi'lek savent sur les déchiqueteurs. Je suis prête à y retourner, à faire le bien. Je te rejoindrai bientôt. Que la Force soit avec toi. Salutations, matriarche. Maître Orgus Dean m'envoie pour vous aider à affronter les déchiqueteurs. Alors les Jedi daignent enfin reconnaître que mon peuple souffre. C'est très noble de leur part. Je suis sûre que ça n'a rien à voir avec l'attaque de votre terrain d'entraînement. On ne s'était pas rendu compte de la menace que représentent les déchiqueteurs maintenant. Et maintenant, vous venez chercher de l'aide auprès du peuple qu'autrefois vous ignoriez. Mes éclaireurs observent les déchiqueteurs depuis des mois. Ils les ont vus devenir plus forts. Je vous ferai part de ce que nous avons découvert, à condition que vous acceptiez de protéger mon peuple. Nous souffrons. Mère, vous devez vous reposer. Laissez-moi me charger de ce fardeau pour vous. Avec tout le respect que je vous dois, le temps est un facteur décisif. J'ai besoin de ces informations. Voici ma fille, Rana Taoven. Elle et le chef des éclaireurs Morint parleront en mon nom. J'ai d'autres affaires à régler. Personnellement, peu m'importe la raison de votre présence, du moment que vous éliminez les déchiqueteurs. Depuis qu'ils ont leurs nouvelles armes et leur nouvel équipement, ils nous traquent comme des animaux. L'ennemi a établi son campement dans la vallée à côté. D'après mes éclaireurs, les déchiqueteurs entreposent leurs armes et leur technologie dans une grotte. Privés de cette technologie, les déchiqueteurs seront neutralisés. Il faut qu'on fasse peur aux déchiqueteurs, qu'on sabote leurs armes, qu'on les modifie pour qu'elles explosent à leur vilaine tête. Comment faire ? Leur technologie est un modèle standard de la République. On peut surcharger les circuits électriques et les bobines de plasma. Regardez, je vais vous montrer. Cet acte de sabotage réduirait l'effectif des déchiqueteurs et leur ferait perdre leur avantage technologique. Si vous nous rapportiez cette technologie, on pourrait se défendre avec ses armes. Ce village est vulnérable aux attaques. Vous avez besoin d'une meilleure défense. Ce débat est inutile. À moins que vous puissiez aller dans la grotte. Vous aurez besoin de la clé d'accès d'un des chefs. Trouvez la technologie des déchiqueteurs et faites ce qui vous semble le mieux. Bonne chance, Maître Jedi. Avec tout ça, les Twi'lek pourront se défendre. Ne t'en fais pas, petit. Je vais te sortir de là. Heureusement que les déchiqueteurs ne mangent pas les droïdes. Apprends à nos soldats à utiliser ces armes. Forme-les sur les envahisseurs Twi'lek. Quand allons-nous attaquer les Jedi ? Patience, Calef. Les Jedi tomberont lorsque notre armée aura atteint sa pleine puissance. Je n'ai jamais compris l'utilité des boulons en traveur, de toute façon. Elle est morte dans mes bras. Tu aurais dû voir ce que ces monstres lui ont fait. Je suis désolée, Selou. On partage tous ta peine. Pour chacun des nôtres que les déchiqueteurs ont tué, on devra en tuer 10. Non, 100. Est-ce que ça ramènera ta femme à la vie ? Je n'ai que faire de votre morale, Jedi. Ma femme est morte. Notre peuple a été massacré. Que faisiez-vous quand ça s'est produit ? J'ai pris toutes les armes des déchiqueteurs pour que vous puissiez vous défendre. Enfin, une des vôtres qui nous comprend. Donnez-moi ces armes. On va pourchasser les déchiqueteurs. On se vengera.
Vous êtes sous le choc. La dernière chose dont vous avez besoin, c'est un blaster. Laissez-moi m'occuper des déchiqueteurs. Le Jedi a raison. Écoute ses conseils. Ta femme ne voudrait pas que tu donnes ta vie pour te venger. Je te promets qu'on mettra un terme à ces attaques. Beau travail, Padawan. Il ne se sent peut-être pas mieux, mais au moins il ne s'attirera pas d'ennui. Les gens se demandent pourquoi les Jedi n'ont pas le droit de se marier et d'avoir des enfants. Ils ne savent pas que les liens sont une source de souffrance. Les émotions passionnées peuvent détruire quelqu'un. Et les Jedi détruits par la passion deviennent des choses horribles. T7 a été capturé par les déchiqueteurs. Les holo-enregistrements qu'il a fait vont vous intéresser. Pendant que je m'occupe du droïde, va parler à Rana. Je pense que son peuple est prêt à nous aider. Grâce à toi. Grâce aux armes et à la technologie que vous avez prise au déchiqueteur, mon peuple pourra se défendre. Votre héroïsme me permet d'espérer qu'on survivra à cette épreuve. Les Jedi ont le devoir de protéger et de défendre autrui. Et on a promis de partager notre savoir en échange de ce devoir. Les éclaireurs disent que les déchiqueteurs rassemblent leurs forces. Ils contrôlent déjà les montagnes qui nous entourent, et maintenant ils envahissent les ruines de Kalet. Mes hommes les ont repérés dans les ruines de l'ancien tombeau, pas très loin de votre temple Jedi. Kalet était une grande ville d'utilisateurs de la Force. Il y a dans ces ruines des pouvoirs qu'on ne comprend pas encore. Les déchiqueteurs cherchent quelque chose là-bas. On ne peut pas les laisser trouver ce qu'ils cherchent. Il faut immédiatement repousser ces déchiqueteurs. Je dois ramener ce droïde au conseil. La personne qui se couvre le visage dans l'hologramme. Je connais sa voix. La situation est plus grave que je ne le pensais. Fais ce qu'il faut pour repousser les déchiqueteurs hors de Kalet. Je t'enverrai des renforts dès que je pourrai. Je résisterai jusqu'à l'arrivée des renforts, maître. Si tu croises l'homme au visage masqué de l'hologramme, ne l'attaque pas. Jedi. Vous avez bien dit Jedi ? Suivez Jedi ! Maître Orgus nous envoie. Nous sommes venus dès que nous avons pu. Un des déchiqueteurs que je viens de combattre m'a appelé Jedi. Il savait utiliser la Force. C'est inquiétant. Si les déchiqueteurs apprennent à se servir de la Force, ce ne sera pas du côté lumineux. Ça a été vite expédié. Ça vous arrive de laisser les survivants ? Je ne suis pas venue dans l'espoir de tuer quelqu'un. Je ne pensais pas à mal. Mes mots ont dépassé ma pensée. Les déchiqueteurs avaient un holocron, un réceptacle de savoir conçu par les utilisateurs de la Force. On dirait qu'il est vieux de plusieurs milliers d'années. Maître Orgus avait raison. Les autochtones sont plus avancés qu'on ne le pensait. Ils apprennent à nous combattre. Maître Orgus pense savoir qui se cache derrière tout ça. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais il n'a pas eu le temps de nous expliquer avant de nous envoyer ici. J'aimerais pouvoir rester pour connaître le fin mot de l'histoire, mais Maître Satine nous envoie sur Coruscant pour une mission spéciale. Tous les mauvais pressentiments du Conseil. Elle pense que la capitale de la République en est la source. Je suis désolée de devoir te quitter, mais le danger est écarté. Ces dispositifs de surveillance vont nous permettre de garder un œil sur Kalet. Installe-les autour des ruines. Le Temple pourra surveiller toute nouvelle incursion de l'ennemi. On aura peut-être de la chance et on pourra identifier leur chef. Que la Force soit avec toi, Padawan. Je suis là, maître. Qu'y a-t-il ? Je retourne vers le campement des Twi'leks. Nous retrouverons là-bas le plus vite possible. Vous êtes parti sans aucune explication. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Je t'expliquerai quand je te verrai. Retrouve-moi chez la matriarche. Kiwix m'a dit ce que tu as trouvé à Kalet.
Un déchiqueteur qui utilisait la force. Elle pensait qu'il apprenait à partir d'un vieil holocron. J'aimerais que ce soit le cas. L'homme qui t'a attaqué quand tu es arrivé. Son sabre laser ne m'était pas étranger. L'holo-enregistrement de ce droïde a confirmé mes soupçons. L'homme au visage masqué de cet enregistrement s'appelle Bengelmor. C'était mon padawan. Mais il n'a jamais terminé sa formation. Bengel était dans le temple Jedi sur Coruscant quand les Sith l'ont détruit. La Force était avec lui s'il a réussi à s'en sortir vivant. Le temple a été anéanti. Des centaines de Jedi sont morts ce jour-là. On n'a pas retrouvé tous les corps. Bengel était puissant dans la Force. C'était aussi l'être le plus doux que je connaisse. Le fait qu'il se retourne contre les Jedi... Il faut l'arrêter. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre. La matriarche de notre peuple, ma mère, est mourante. C'est une terrible nouvelle. Ça va aller ? Je ne pensais pas que la charge d'un chef était un tel fardeau. Mes éclaireurs ont repéré une base de commandement des déchiqueteurs dans les montagnes. Elle est protégée par un bouclier énergétique. Le générateur du bouclier est caché dans une autre montagne, dans un réseau de grottes bien gardé. Cette base de commandement doit sûrement coordonner toutes les attaques de la région. Je dois y aller. Ça te dit de mettre les générateurs hors d'usage ? Vous ai-je déjà laissé tomber ? Il y a une première fois pour tout, même si je ne suis pas inquiet. Voyons si tu peux permettre à ce droïde de recueillir plus d'informations. Ce bouclier énergétique est ta priorité. Neutralise-le le plus vite possible. Vous devez être le Padawan qui a massacré mon peuple. Vos attaques désordonnées ne changeront rien. Votre heure est venue. Maître Orgus vous cherche, Bengel. Orgus ne me trouvera pas. Je le trouverai moi-même. Vous avez massacré Kalef, mon apprenti. Je peux sentir sa mort en vous. J'ai passé des années à le former. C'était un homme bon, avec des principes. Vous êtes fier de vous. Je ne voulais pas le tuer, mais il ne m'a pas laissé le choix. Il y a toujours le choix. Vous auriez dû vous rendre à l'évidence. Tous les soi-disant Jedi de Titon vont mourir. Je vous le promets. Votre ordre est faible. Vous n'avez rien fait pour ralentir la progression de l'Empire Sith. Ne laissez pas la colère s'emparer de vous, Bengel. Laissez-nous vous aider. M'aider à devenir un lâche comme vous. Je suis le seul véritable Jedi qui reste dans cette galaxie. Profitez de votre petite victoire. C'est votre dernière. J'ai désactivé le bouclier énergétique. Des nouvelles de la mission de Maître Orgus ? Non. Ma mère, elle a trouvé la paix en votre absence. C'est moi la matriarche à présent. Je compatis, Rana. Mais ton peuple est entre de bonnes mains. C'est gentil de dire ça. J'ai entendu des gens dire que les Jedi sont froids. Mais ce n'est pas vrai. Avant de partir, Maître Orgus m'a dit « Il n'y a pas de mort. Il n'y a que la Force. » Il pense que notre essence subsiste après notre mort et se mêle à la Force. J'espère que c'est vrai. Matriarche, les déchiqueteurs ont franchi nos défenses. Ils ont fait quelque chose à nos champs. Ils ont placé de drôles de machines dans le sol. Quand il s'en est approché, un éclaireur a fait un malaise. Il s'est éloigné du dispositif en rampant et il a commencé à récupérer, mais il y a encore plein de machines là-bas. Dis à ton peuple de ne pas s'approcher des champs. Je vais me débarrasser de ces trucs. Une fois encore, j'ai une dette envers vous. Dépêchez-vous d'aller dans les champs. Je crains qu'on n'ait pas beaucoup de temps. J'ai détruit les machines qui empoisonnent vos cultures. J'ai vu que vous avez beaucoup souffert là-bas. Ce que vous avez fait... C'était plus que courageux. C'était héroïque. Veuillez accepter ça en signe de reconnaissance de la part de mon peuple.
Je suis navrée de ne pas pouvoir vous donner plus. Je suis sûre que ça pourrait être mieux utilisé. Jamais une étrangère n'avait fait autant pour nous. Ma mère était forte, comme vous. C'est dur d'être toute seule avec tout ça. Ce campement, c'est ta famille à présent. Sois forte pour eux. Vous avez raison. Un chef doit apprendre à être seul. Même si les récompenses ne représentent rien pour vous, j'insiste pour que vous acceptiez celle-là. Je devrais aller dire à tout le monde que le danger est écarté. La base des déchiqueteurs est enfin hors service. Comment vont les choses de ton côté ? J'ai parlé à votre ancien padawan Parolo. Il fait tout ça pour pouvoir détruire les sites. Alors ce n'est pas un site. Bien. Si j'arrive à lui faire entendre raison, j'ai trouvé à la base de commandement des déchiqueteurs les coordonnées de plusieurs camps secrets. Il y en a trop pour n'envoyer que des maîtres Jedi. Un camp se trouve dans les ruines des hautes contrées de Kalet. La patrouille que tu as affrontée était basée là-bas. Voilà l'occasion de les achever. Pourquoi diviser nos forces pour frapper tous les camps en même temps ? Si on n'en attaque que quelques-uns, les déchiqueteurs pourront avertir les autres et réunir leurs forces. Fais attention dans ces ruines. On ne les a pas toutes explorées. Contacte-moi quand tu auras rempli ta mission. Que la force soit avec toi. Edlen Verfi Akalin Tom Keret. Atenger Kelet Wiesel Mi Az. Maître Orgus m'envoie repousser les déchiqueteurs. Os zes hajan aki nekameve. Estavo lab meg mindig uge. Oze disazos homaleban. Berega mozdu. Latland felit degob es elenga agium. Puissant ou pas, je ne vois personne d'autre. Is as ala soni parton as atla tzokizal. Le campement des déchiqueteurs est hors service, maître. Mais ils utilisaient tous la force. Ils ont tué un Jedi du nom de Laota. Son corps est dans ses ruines. Que dois-je faire ? On ira chercher notre compagnon mort au combat plus tard. Je viens de recevoir un appel de détresse du campement Twi'lek. Ils ont repéré Bengelmore. Nos forces sont disséminées pour s'occuper des camps secrets. Nous sommes les seuls à pouvoir nous en occuper. Je suis en route vers le campement. Rejoins-moi là-bas.